savoir. Moi-même, je sais pas si ça va. Mais la seule chose qui est sûre, c'est que je regrette l'anonymat. Quand je marchais incognito, sans regarder autour de moi. Quand je marchais avec mes sœurs à Paris, Nord à tour de bras. L'époque où j'étais vraiment libre, où j'avais pas à m'en faire. Postais mes vidéos sur les réseaux, casquette à l'envers. Que du soutien que des anges dans les commentaires. Maintenant, je lis plus, c'est l'enfer. J'ai l'impression qu'on m'enterre. Je coupe mes réseaux pour me protéger. Pour ma famille, je veux progresser. J'essaye juste de me protéger depuis que j'ai progressé. Je me sens souvent oppressé. J'ai plus le temps, je suis trop pressé. J'ai du mal à encaisser, un peu souvent trop blessé. Quand on me déchire mon cœur, j'ai du mal à opérer. Si je vous croise, même les forces de l'ordre me feront pas coopérer. Merde, j'ai plus envie de tolérer. Ça sera pas avec la peinture que le sol sera coloré. Y'a des bons côtés, je peux pas cracher dans la soupe. Bien sûr que je gagne des sous, mais peu à peu je perds mon souffle. Je fais des showcases à la louche, les gens une guette à la loupe. On va pas te rater si tu te loupes, même certains proches deviennent louches. Toi aussi, vas-y, accouche ma soeur que je connais depuis les couches. Toi aussi, dis que j'ai merdé, toi aussi, rajoute une couche. Toi aussi, vu que t'es parfaite, vas-y, parle de ma chirurgie. Parler de mes erreurs, moi je parle pas de l'acharnement que j'ai subi. Je suis arrivé à un point où je m'assumais plus physiquement, à cause de mon accouchement. Maintenant je le dis publiquement. C'était dur à encaisser, tout est arrivé subitement. Mais je vais le faire pour vous, pour mon public uniquement. Même si on n'est pas de la même génération, c'est la même. Ils veulent briser nos rêves, maintenant je comprends Wallen. La vérité, la célébrité, c'est une maladie. Même sans avoir vu son documentaire, je comprends Mélanie.